Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler et on va déballer un produit très spécial, un verre doseur pour la cuisine, un verre qui va mesurer différents liquides, eau, lait, huile. Et ce verre doseur, vous l'avez deviné dans le titre, il est très spécial puisqu'il est parlant. Ce verre doseur vocalisé, entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. On va tout de suite déballer, voir ce qu'il y a à l'intérieur du package. Et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On déballe tout de suite le package complet de ce verre doseur entièrement accessible. Bienvenue sur Vision Hightech. Et c'est parti pour le déballage. Alors les amis, comme on parle de cuisine, on est dans la cuisine et on déballe tout de suite ce verre doseur vocalisé spécialement pour vous. C'est parti. Alors, on est sur un carton rectangulaire de couleur blanche. On n'a aucune écriture sur ce carton. On ouvre. Alors, à l'intérieur, on va tout de suite tomber sur le verre doseur. On a donc le verre doseur qui est correctement emballé. On va le sortir. Voilà donc ce magnifique verre doseur. Par rapport à son rangement dans le carton, il est mis donc à l'envers. Donc bien penser à remettre ce verre doseur donc sur le haut. Et pour le fermer, vous faites un quart de tour. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez le bec verseur sur le bord droit de l'appareil et ensuite vous faites un quart de tour jusqu'à entendre un petit clic et votre verre doseur est prêt à l'emploi. Attention, dessous il y a une pile à insérer qui n'est pas fournie, c'est une pile 9 volts, vous savez les piles rectangulaires. Donc vous avez un petit clapet ici, dessous le socle, et vous mettez votre pile qui n'est pas fournie. À l'intérieur, on va retrouver donc une petite notice, puisque avec ce verre doseur, vous allez avoir différentes possibilités au niveau réglage. Je vous mettrai tout en description où vous allez pouvoir le trouver et où vous allez pouvoir télécharger sa fiche directement accessible via vos différents lecteurs d'écran. Alors ce verre doseur a différentes possibilités de mesure, millilitres, litres et centilitres, donc trois niveaux de mesure pour trois liquides différents, lait, huile, eau. Très simple d'utilisation. Avec ce verre doseur, si vous êtes une personne malvoyante ou aveugle, vous allez donc pouvoir faire la cuisine en toute accessibilité et vous allez pouvoir gérer vos liquides. Question bouton. On a différents boutons ici sur le dessus pour l'allumage. Au niveau de la poignée, lorsque vous mettez votre pouce, vous avez un petit bouton sur le dessus. Et sur le côté droit, vous avez trois petits boutons que l'on va voir tout de suite après avoir inséré la pile. C'est parti. À quoi ressemble ce verre doseur parlant? Vous l'avez donc à droite. Il est de couleur blanche et on peut s'apercevoir qu'il ressemble étrangement à une bouilloire. Alors, il a à peu près la forme d'une bouilloire. Il est assez conséquent en termes de taille. On ressent bien le bec verseur. On peut s'apercevoir qu'on a vraiment un très bel appareil dans la main. Entièrement transportable et comme d'habitude entièrement accessible. Voilà, donc en haut de la poignée vous allez retrouver le bouton qui va permettre de faire répéter le niveau du liquide, donc millilitres, centilitres et litres. 0,31 litres, 0,32 litres, 0,34 litres. Donc ce bouton se trouve sur le haut de la poignée. Ensuite, sur le côté droit de l'appareil, on va retrouver trois boutons les uns sous les autres. Le premier. Alors, en commençant par le bas, on va donc avoir le bouton qui va nous permettre de choisir le liquide. On appuie plusieurs fois dessus. Eau, lait, huile. Le bouton du dessus va nous donner la possibilité de choisir litres, millilitres, centilitres, litres, millilitres, centilitres, litres, millilitres, litres.
Et le premier sera donc la tare pour remettre à zéro l'appareil. Et ce premier bouton, si vous le gardez enfoncé, vous allez jouer sur le volume de l'appareil. Vous l'enfoncez, vous le gardez enfoncé. Écoutez ce qui se passe. Avec ce doseur vocal, il n'y a aucun fil. Ça, c'est un des avantages. Comme cela, vous pourrez voyager dans votre cuisine sans problème, sans avoir peur de mettre vos pieds dans des fils. On va tout de suite le tester et voir avec de l'eau comment ça se passe. Alors bien sûr, le bocal, lorsque vous allez l'enlever, est entièrement lavable, aussi bien à l'évier comme dans un lave-vaisselle, sans problème. Très simple d'utilisation. Une fois qu'il est serti, on va tester de peser de l'eau, par exemple. On prend de l'eau. On va se mettre en centilitres. On se met déjà sur la position eau. Et je vais mettre sur centilitres. Je verse mon eau. Et je viens d'entendre que j'ai bien 87 centilitres dans mon bac d'eau, dans mon doseur vocal, pour aller ensuite le verser, par exemple, dans la mixture que je dois mettre, par exemple, de la pâte pour faire de la pizza, de la pâte pour faire des crêpes, etc. Je peux faire répéter simplement en appuyant sur le bouton du haut. 88 centilitres. 88 centilitres. Donc j'ai bien 88 centilitres. 88 centilitres. Voilà, donc elle me dit bien 88 centilitres. Une fois ceci fait, je peux enlever mon bac. Je tourne un quart de tour vers la droite. J'ai mon bac, je peux le verser dans ma mixture. 1 centilitre. On va repositionner de l'eau en litres, par exemple. Centilitre, litre. Là, je me suis mis en litres. 0,27 litres. Il me reste un peu d'eau, je le verse. 0,53. Je peux faire répéter avec le bouton du dessus. 0,54 litres. Et on entend bien que j'ai 0,54 litres. 0,54 litres. 0,54 litres. Voilà les amis pour ce verre doseur parlant, un verre doseur vocalisé, entièrement accessible, sans fil. Je trouve ça assez génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel verre doseur accessible pour la cuisine. Une vidéo accessible à tous, c'est sur Vision Hightech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, accessible à tous bien sûr. Salut à tous.